mes chatons, c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Ah, ce temps d'automne, je l'adore, de la pluie, de la fraîcheur, du soleil, de la fraîcheur, les arbres qui changent de couleur, c'est extra. Allez, je reviens vers vous pour, non pas un petit haul, mais pour mes produits terminés. Mon sac est déjà pas mal plein, ça va vite dans les stocks, ça descend pas mal, le produit Nose, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Donc, j'attends pas plus longtemps, je vous montre ça. Allez. Alors, mon mari a terminé, c'est les deux mêmes, de Sanex. Voilà, zéro parabène, zéro colorant, gel douce pour peau sensible, écolabel, voilà, européen. Je les avais eu chez Nose à 3,04. C'était des gros récipients de 600 ml et j'en ai déjà racheté des petits gabarits. Parce que comme il se douche des fois au travail, là il a une petite démission jusqu'à fin décembre, dans un lycée, il a sa douche. Et des fois il se douche là-bas et donc je ne lui prends pas le 600 ml, je lui prends le 200 ou le 250 ml à transporter, c'est mieux. Ensuite, il a fini toujours de... Vous voyez, ça va vite, hein. Pourtant les produits terminés, je les avais fait il n'y a pas longtemps. Je vous en montre qu'un. Une petite eau de Cologne que vous connaissez bien, l'eau de Cologne fraîcheur de chez la marque Repère, de chez Leclerc. C'est moins de 2 euros, ça sent hyper bon. C'est belle saison. Voilà, c'est un 250 ml et ça vaut une autre toilette. Oh, j'adore. Il met ça en guise de déodorant, comme je vous avais dit. Parce que les Sanex déodorants ne lui conviennent pas et je vous la conseille, de la marque Repère. Fraîcheur, c'est ce que je préfère parce qu'après il y a lavande, tout ça, j'aime pas. Et pour les hommes ou les femmes, ça fait les deux. C'est très frais, très bon, j'adore quand il met ça. Ensuite, nos fameuses lingettes de la marque Repère, rayon bébé, hop, encore et toujours, on en a entamé un paquet. Moi, je me rafraîchis les pieds avec, je me passe sur le visage, ou des fois pour Minus, quand il a fait une petite bouboule de poils. Ensuite, des cotons de la marque Repère. D'habitude, je prends ceux de Lidl, mais quand je ne veux pas aller spécialement à Lidl pour des cotons, ça dépanne, je prends de la marque Repère, il y en a 70. Ce sont les cotons ronds, cette fois-ci, ça me sert pour les yeux. Ils sont bien. Coton confort ultra moelleux. C'est vrai qu'il y a un côté moelleux et un côté tissé. Et moi, je préfère le côté moelleux. Ça, j'ai les yeux très sensibles. Donc, je rachète à l'occasion si j'ai pas le besoin d'aller chez Lidl. Ensuite, il a terminé de la marque Repère. Vous voyez, nous, c'est Nose et marque Repère. Son après-rasage, pareil, il sent très bon. Il y en a un bleu et il y en a un vert. Les deux sont bien. Le vert, c'est fraîcheur, soft green. Il est un peu plus fort. J'adore. Il est plus fort, plus épicé. Il est enrichi en vitamine E. Et celui-ci, il l'adore. Il n'est pas cher du tout. Et il sent super bon. Des fois, j'ai l'impression qu'il a mis de l'eau de Cologne. En parlant d'eau de toilette, je l'avais eu chez une eau, j'ai plus le packaging, j'en suis désolée, non, je ne l'ai pas gardé. C'était une eau de toilette brute que j'avais eu chez Nose dans les 3,99, oui c'est ça, 3,99, c'était un 100 ml, et pour le travail, pour la semaine, c'est trop bon, ça suffit largement. Hop, un parfum de maison, tiens, il en reste encore, hein. Il finit mal ses bouteilles. Voilà, c'était le Océan, très frais. Il a mis ça cet été. J'adorerais. Ça sent trop bon. 3,99. Il en a entamé un autre, une eau de toilette. Je crois que c'est brut toujours. Ouais. Et que j'ai eu chez Nose. Ensuite, j'ai terminé un gel douche fleur de monoï fa que j'avais eu chez Nose. Ah, il n'y a plus le. Avec. À force de me laver, c'était dans les 1 euro et quelques. Hein. Voilà. Je crois que je suis en train de finir l'autre, ouais. J'en avais pris deux à l'huile d'argan, voilà, fleur de monoï, j'ai adoré, ça sent trop bon. Ah là 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 là,
Ça sent trop bon, j'adore. Et s'ils en remettent, j'en reprendrai. Mais là, je descends mes stocks tout doucement. En bain douche, j'ai pas grand chose en stock, non. Je dois avoir 3 ou 4 bains douches d'avance. J'ai terminé, et il est très bien, le petit dissolvant de chez Lidl, la marque Sienne. C'est un 200 ml. Oula, c'est expiré en 2017. Vous voyez, je l'avais acheté en 2017. Donc, il est très bien. En plus, c'est un pouce-pouce. Pardon. C'est un pouce-pouce. Vous mettez votre petit coton. C'est génial. Je le rachèterai à l'occasion. Il est super. J'ai terminé un normalement et un désespérément. Deux petits parfums comme ça. Et j'en ai entamé un autre. Patchouli Love de chez Ulrich de Varennes, que j'avais eu à 50 centimes chez Nose. Deux petits terminés. Un terminé pas tragiquement. Un deuxième terminé tragiquement. Je l'ai fait tomber le cucu. Le goulot s'est brisé. Les trois quarts sont allés sur le tapis de salle de bain. Ça sent très bon dans ma salle de bain. Ça sent le patchouli. Dommage, j'en ai rentamé un autre. Voilà, 50 centimes, j'adore ces petits parfums. Par contre, ils ne tiennent pas très bien sur moi parce que j'en mets des tonnes et ma sœur ne sent pas mon parfum quand je le mets. Ensuite, j'ai terminé mon dentifrice, c'est le Sensodyne, soin gencive. Enfin, moi, j'en ai plusieurs. Hein, voilà, je l'avais eu au drive de Leclerc. Voilà, par contre, il n'est pas donné. Dans les 3 euros, puis c'est pas plus cher. Voilà, mais c'est vrai que moi qui ai les gencives fragiles, j'ai pas mal aux gencives. C'est de l'orage qu'on entend? Non, ça se peut pas. C'est un camion. Et mon Kidou, enfin mon mari, a terminé un Colgate spécial curry, menthe fraîche. Voilà. Et il a entamé un autre dentifrice. Le Colgate, je l'avais peut-être bien eu chez Nose, le Colgate. Ensuite, un seul petit déo. Eh oui, un seul petit déo. 1,48€ de chez Nose. J'en ai entamé d'autres. Voilà. Vous les connaissez par cœur. Ensuite, j'ai encore fini une crème de jour. Ah, c'était la crème de nuit la dernière fois. Ah, Botarin. Et j'en ai plus qu'une que j'ai entamée. Et il me semble qu'il m'en reste encore une d'avance et c'est tout. Vous savez, ce sont les fameuses crèmes qu'on avait eues chez Nose, il y a belle lurette, à 2,99€ ou 2,49€ et qui valaient dans les 60€ pour changement de packaging sur internet. Là, c'était une de jour. Je la mets également pendant la nuit, hein, avec un sérum argan qu'on a chez Nose également. Et voilà. Et franchement, moi, je l'adore cette crème. Ma soeur ne l'aime pas, la trouve trop riche. Moi, j'ai la peau très déshydratée, donc ça me convient tout à fait. Et j'ai déjà entamé un quart de la crème de jour Botarin suivante. La couleur que vous voyez là, eh bien, c'est celle-ci que j'avais eue chez Nose. Ah ben, il n'y a pas le prix. C'est 3,99€. Oui, ils ne mettent pas le prix dessus, c'est une affiche qu'ils mettent. Sayos, voilà, Saint-Algue. C'est la 4,23 châtaigne rouge. Est-ce que c'est la bonne couleur? Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Sachant que ça fait 15 jours que je l'ai déjà faite. Ouais. Il n'y a pas trop de prix sur la marchandise. Voilà, donc très bien. Moi, j'ai les cheveux courts, donc j'avais largement pour faire ma couleur. 3,99€. Des fois, je dis que c'est pas donné chez Nose, mais c'est beaucoup plus cher en rayon. Je crois que c'est dans les 8-10€. Donc, j'en reprendrai, pas de problème. Mais là, j'ai encore un peu de stock. Et voilà, là, j'ai fait la couleur châtaigne rouge. Et puis, j'ai enfin quasiment fini, mais là, j'en peux plus. Le fameux, oui, il en reste encore. Vous voyez, il en reste encore, mais non. Il n'y en a plus beaucoup, c'est sec, ça fait des chips. C'est le fameux mascara Rimmel Sexy Curves. Ça fait des mois que j'essaie de le finir. Et là, je le jette, c'est bon.
Il fait des chips, il est quasiment fini, il a séché. Je l'avais eu dans une promo Beauté Leclerc, dans les 5,99 € quelque chose comme ça. Et je ne rachèterai plus de mascara Rimmel. Pourtant, la petite brosse m'avait l'air sympatoche, mais pas pour mes cils. Mais bon, je l'ai usé jusqu'à l'os quand même, hein. Je pourrais faire encore une semaine avec Ali. Voilà. Mais il fait des chips et ça, j'aime pas ça. Voilà mes chatons. Et ben, j'ai fini de vous montrer mes petits produits utilisés par moi et mon mari. Vous voyez encore du stock Nose et du stock de la marque Repair. Du bon plan, toujours du bon plan sur ma chaîne, des articles pas chers qu'on peut trouver dans des déstockers et également la marque Repair, je vous la conseille à 10 000 %. Moi, j'ai pas de Auchan, j'ai pas de Super U, mais elle est très très loin, l'autre bout de la, plus qu'à l'autre bout de la ville. Le plus près, moi, c'est la marque Repair, Leclerc. Voilà. Et puis du Lidl, voilà, Lidl, je vous dis, le dissolvant est très bien. Même les gloss, les rouges à lèvres sont très bien, je vous les conseille. Les crèmes de soins anti-rides, avant d'utiliser celle de Nose, si j'en ai plus, quand j'en aurais plus, et puis quand j'allais pas chez Nose, j'utilisais les crèmes de soins anti-rides de chez Lidl et comme ça. Franchement, Lidl et puis la marque Repair et Nose, c'est génial. Voilà mes chatons. Allez, fini de blablater. Je vous fais de gros bisous. Pour nous soutenir toutes les deux, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et puis, un abonnement à ma chaîne pour atteindre et dépasser, allez, mon rêve, dépasser les 10 000 abonnés. Ah, on en est loin. Je rame. Je rame, je rame. 10 000 abonnés, mon Dieu, je vous fais un concours du tonnerre, les amis. Mais bon, je sais pas si j'arriverai un jour à 10 000 abonnés. J'en suis loin. Voilà, mes chatons. Allez, je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous. Encore merci pour tout. Et puis à très vite, avec grand plaisir pour ma part. Bisous, mes chatons.